Thank you for you. Are very nice. Gaïd Salah répond aux revendications du mouvement, au compte-gouttes. Après des semaines d'appel à l'arrestation de Saïd Bouteflika, du général Toufik et Tartag, voilà que le général de corps d'armée ordonne leur arrestation. Ils sont accusés notamment d'intelligence avec l'ennemi et d'atteinte à la sûreté de l'État, en référence à la supposée réunion qui aurait eu lieu. Le chef de l'état-major avait alors adressé lors de ses nombreux discours des avertissements et des menaces à leur rencontre. Pourtant, et malgré la gravité des accusations qu'on peut qualifier de haute trahison, il ne les interpellera que sous l'impulsion du mouvement populaire qui est scandé d'une seule voix. Allah Allah Yababa, El Gaïd est le parrain de la mafia. Le peuple souhaite, bien sûr, voir toutes ces personnalités être jugées et payées pour les crimes qu'elles ont commis. Mais dans le cadre d'un gouvernement démocratique, légitime et avec une justice indépendante, il a compris que le mouvement ne le soutenait pas. Alors, il s'est empressé de verser une goutte supplémentaire dans cet océan de gros poissons interpellés. Une manière de plus de mettre à exécution un plan d'ores et déjà voué à l'échec, puisque refusé par le peuple. Le dernier discours de Gaïd Salah et son entêtement à refuser sans embâge les revendications légitimes du peuple l'ont placé dans un face-à-face avec le peuple. Le 11e vendredi n'était pas favorable au chef de l'état-major. Les foules qui affluaient et scandaient des slogans qui lui sont clairement hostiles peuvent en témoigner. Pour sauver ce qui reste à sauver de crédibilité, Ahmed Gaïd Salah a dû sacrifier des personnalités qui pèsent lourd dans le jeu politique et dans l'inconscient collectif algérien. Mettre la main sur la mafia faisait partie des demandes du mouvement populaire, mais en aucun cas cela annule les autres revendications qui sont le changement radical du régime et l'évacuation des symboles du règne de Bouteflika. La réponse du mouvement ne s'est pas fait attendre et a même eu lieu avant ces arrestations. Le régime ne peut pas se racheter une virginité en sacrifiant les barons de la mafia. L'arrestation de ce trio opaque est un devoir, ni plus ni moins, qui ne fait pas de Gaïd Salah un saint qui agit en toute impunité. Le message du peuple est clair. Non à l'intervention des priorités, non à l'inversion des priorités, non à l'intervention de l'armée. Le changement de régime reste la revendication principale. La lutte contre la corruption fera partie des effets naturels du passage à un régime démocratique. Ouyahia, symbole de la corruption, du système politique et de la fraude en Algérie, appelle au dialogue et au changement. Ouyahia, qui a comparu la semaine passée près le tribunal de Sidi Mohamed, ne veut apparemment pas que les Algériens l'oublient et insiste pour jouer le rôle du sage, celui qui a détourné et corrompu depuis plus d'un quart de siècle et qui a accompli toutes les villes des ennuis du régime. Appel au dialogue politique. Ouyahia, qui revendiquait fièrement sa servitude, lui qui était si fier de la fraude qu'il organisait lors des élections, appelle à aller vers des élections présidentielles transparentes. Il y a quelques jours à peine, il menaçait ceux qui exigent le changement en brandissant le spectre du scénario syrien. Et aujourd'hui, le voilà qui demande un changement radical via l'application des articles 7 et 8 de la Constitution. Les messages du dernier vendredi avant Ramadan étaient puissants et directs. Les messages faisait clairement référence au chef d'état-major et l'avertissait de sa tentation de jouer président tout-puissant. Les Algériens savent pertinemment que Gaïd Salah est une pure invention de Bouteflika, qui en a fait son bras militaire depuis des années. Les Algériens se rappellent aussi qu'ils ont été traités de manipulés, qu'ils ont été accusés d'agir sous la coupe d'une main étrangère et ils ont fermé les yeux. Il s'est engagé à répondre aux revendications du peuple en activant les articles 102, 8 et 7 de la Constitution. Une promesse qu'il n'a pas tenue. Alors, les Algériens
nous lui ont signifié. Il a déclaré que certaines revendications sont impossibles à réaliser et a essayé d'établir le mouvement en réprimant et en opprimant, bien sûr, et le peuple a tenu bon. Mais lorsqu'il a publiquement refusé les revendications du mouvement en s'obstinant à vouloir imposer la feuille de route dictée par la mafia, le peuple l'a stoppé net et a scandé partout, dans toutes les marches, de toutes les villes. Allah Allah ya Baba, Gaid Salah est le parrain de la mafia. Le message est donc clair, comme de l'eau de roche. Et la réponse de Gaid Salah laisse penser qu'il a entendu le discours de Ben Salah. Le discours de Ben Salah, qui est attendu pour ce soir peut-être, aussi va dans ce sens. La dernière info du jour, comme je l'ai bien rappelé au début, Saïd Bouteflika et généraux Toufik et Tartag ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du tribunal militaire de Blida, a annoncé ce dimanche le NTV. C'est un communiqué du parquet du tribunal militaire. Le frère de l'ex-président et les deux anciens patrons des services de renseignement sont poursuivis pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État, selon la même source. Algérie mis à mort, on t'aime à la vie, la mort, la marche d'un peuple et la balade des généraux, c'est donc le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur le plateau Fadil Laïch, ancien juge. Monsieur Laïch, bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci à vous. Sur ma gauche, comme d'habitude, Saïd Akinin, toujours à gauche. Saïd Akinin, militant des droits de l'homme, Mahdabi. Merci beaucoup pour l'invitation. Honoré de partager ces moments avec nos honorables invités et je salue aussi par l'occasion nos téléspectateurs et le peuple algérien. Merci Saïd. Avec nous aussi Amina Afaf Chayeb du mouvement Ibtikar. Amina, mahbab lik. Masa el khair. Masa el nour. Shukran ala istidafa. Sahit, ya'tik saha, marhaba bikoum, bienvenue à tout le monde. Oustad Fadil Laïch, nabdaou bik robbama bil lugha al arabiya. Andna ba'd tasaoulat. كما شفنا اذا في المقدمه اعتقال اليوم رؤوس العصابه كما يسموهم الشعب الجزائري وكما سماهم قايد صالح ايضا يعني ما هو ربما رد فعلك انت كقاضي كرجل قانون لهذه الحادثه حقيقه انا كعضو من هذا الشعب الجزائري هذه المتابعات كانت منتظره نظرا للمطالب الكبيره والمتتالية والمستمرة من طرف الحراك والشعب الجزائري ككل
من أجل استرجاع حقوقه التي نهبت واغتصبت لمدة 20 سنة. الآن نستطيع أن نقول وقع انفصام وانفصال وطلاق بين الشعب الجزائري وقيادته، وهذا هو الأمر الصعب والخطير عندما يقع طلاق بين السلطة وبين الشعب. إذن ما هو المطلوب؟ المطلوب على القيادة أن تكون في مستوى تطلعات ومتطلبات الشعب، وهي متطلبات بسيطة. القيادة يعني قيد صالح؟ ككل قيادة، القيادة الظاهرة والخفية. يجب الرجوع إلى الشعب، إلى مطالب الشعب، وهي مطالب معقولة في جميع الدول، إلى التطبيق الديمقراطي، إلى دولة العدالة، إلى دولة الحق والقانون. جستمو أستاذ العيشة، ربما من أبرز تعليقات اللي شفناها اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو أنه قال الجزائريين يقولوا الدنيا دواليك، يوم لك ويوم عليك، وكما تدين تدان، إلى أنه الجزائري اليوم يتساءل في نفس الوقت هل هذه حقيقة يعني محاكمة عادلة رايح تكون، أو أنها بمجرد مسرحية ككل المسرحيات التي شفناها من 22 فبراير إلى يومي؟ هو صعب الإجابة على هذا السؤال، لأن هي في بداية المتابعات، يعني اليوم بداية المتابعات وما بعدها وقعت متابعات. أقول بالنسبة للقضاء، لأن القضاء سواء كان القضاء العسكري أو القضاء المدني، نقول هل هذا القضاء هو في مستوى تطلعات الشعب الجزائري؟ فإجابتي نعم. لأن بعض القضاة الشباب الذين خرجوا للشارع مع الجمهور، لكن هذا الشباب ليست لهم أماكن أو مراكز قانونية، بل هما نقدر نقول مهمشين. إذن أقول فالقضاء مريض والدولة الجزائرية مريضة، فالمريض لا يمكنه أن يعالج المريض مثله. الشعب الجزائري سقط في مرض كبير، وهو هي الرشوة، وهي السرقة، وهي الاختطاف، وهي كل جرائم. فبهذا القضاء، إلى أن الشعب الجزائري ما خرجش للشارع من 22 فبراير خاصة إلى يومنا باش ينادي بالفساد ولا بالرشوة، ولا هو راح إلى أكبر من هذا ويطالب برحيل النظام وبكل المنظومة، لأن هذه المنظومة هي التي هي أسست للفساد. ولكن صحيح، ولكن رئيس المنظومة من هو؟ حنا نقولوا باللغة العربية من شب على شيء شب عليه. فهذا رئيس العصابة، رئيس الجمهورية السابق في 78 كان سبق له وأن اختلس وسرق وحكم عليه، ثم تم إعادته وإرجاعه في 99، فعاد إلى طبيعته، فعاد إلى مهمته. وهذه المهمة ما هي؟ السرقة، الاختطاف، يعني تدمير الشعب الجزائري اقتصادياً وتربوياً وأخلاقياً واقتصادياً. طيب هذا يديني لسؤال آخر جستمو، قايد صالح شعب الجزائر اليوم يتساءل يقول كيفاش السيد اللي عنده 20 سنة وهو يأكل مع بوتفليقة، واليوم كيفاش ممكن السيد هذا يدير يعني عدالة؟ وين كان بوندون لي 20 هذا؟ تدخل السيد قايد ركان بالنسبة للتدخل تاع اليوم من الناحية القانونية فهو تدخل سليم. لماذا؟ لأن التدخل تاع اليوم تتعلق بعسكريين، والمتابعة عندما تكون متابعة عسكريين يجب على وزارة الدفاع هي التي تقوم بالمتابعة. أما متابعة المدنيين فهي وزارة العدل. إذا المتابعة من حيث الإجراءات فهي اليوم هي متابعة صحيحة. نوليو للسؤال هذا، لأنه سعيد بوتفليقة مش عسكري. وشفنا حتى أنا في سنوات التسعينيات يعني كيف حكم قيادة الفيس، هم مدنيين ولكن حكموا في محكمة عسكرية. ورئيس سوناطراك أيضا هو مدني ولكن حكم في محكمة عسكرية. يعني كاين سوابق في هذا باش يعني توضح لنا هذه المسألة. ولكم كل الحق وكل التقدير لهذا السؤال. شكرا. أمينة بونسوار أونكور أون فوا، أكوا غيم سو جور داريستاسيون؟ Ça fait plusieurs fois que Gaïd Salah nous dit qu'il va assainir, nettoyer l'Algérie de la corruption et des corrompus. Et de l'Isaba, oui, de la mafia. L'Isaba, al-fasad wal-fasidin, yata'ahad ou yit'halaf, comme on dit.
أول سؤال واللي أنت طرحته وين كنت من 2013 من هذه النية الحسنة نتاع نحي الفساد من الجزائر. ثاني سؤال كيفاش تقدر تهدر هذه الهدرة وأنت ما كنت اللي تحامي على هذه العصابة وجزء من هذه العصابة pendant plus d'une décennie. وثالث سؤال من أنت بأي سلطة par quel prérogative le chef de l'état-major peut se prononcer de la sorte. Ce qui s'est passé aujourd'hui, certes, est aujourd'hui, juridiquement, mais aujourd'hui, politiquement... il ne s'est pas prononcé, il a agi par contre. Enfin, c'est ce que disent les Algériens. Exactement. Il y a une tendance de fond, celle de Gaïd Salah qui est en train de cristalliser tous les pouvoirs. Mmh. Et en faisant ça, en se prononçant donc plus en plus sur des questions de droit pénal, de justice, il est en train de se tirer une balle dans le pied parce qu'il est en train de montrer qu'il n'est pas en train d'incarner les demandes du Hirak, qui veut une justice indépendante, non à la justice du téléphone, non à cette justice de vengeance, d'abord l'état de droit. De l'injustice. Voilà, d'abord l'état de droit, d'abord une séparation des pouvoirs, d'abord la démocratie, et découlera ensuite la justice, l'anticorruption, etc., etc. Mais quand on fait l'impasse sur ça, on se retrouve à ce qui ressemble, et ça fait très peur, un régime militaire. Donc c'est ça aujourd'hui, tous les Algériens ont peur de cela, et on a peur que cette tendance de s'immiscer dans la chose politique, dans la chose de la justice, finisse par ressembler à un régime de Sisi. Et ça me fait rappeler, je dis ça parce qu'il y a eu une pancarte qui m'avait interpellée et qui disait « Goulna, majlis ta'sisi, machine nizam Sisi ». Ça veut dire « Monsieur Gayed, nous avons demandé une constituante et non pas un régime à la Sisi, écoutez-nous, écoutez-nous ». Saïd Aknin, est-ce que l'Algérie se dirige justement vers un régime Sisi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le peuple algérien, juste aujourd'hui, peut accepter cela? Vous savez, le peuple algérien, il a bien manifesté, il n'acceptera plus de vivre sous aucune forme de dictature. Et il n'acceptera à ce que la justice ne soit subordonnée ni au téléphone, ni à la casquette. Le peuple algérien, il a si bien dit, mais avant que j'arrive là, je dois d'abord saluer par devoir de réciprocité et par devoir de fraternité. Le peuple, le grand peuple, mes frères et sœurs de l'Djilfa qui ont donné une réponse noble, une réponse ferme, une réponse d'amour, de fraternité et de vivre ensemble à ceux qui ont voulu construire et semer les germes de la haine et de la discorde dans le peuble algérien. Nas l'Djilfa galoub li lalil ansouriya khawa khawa. هذا درس للنظام لماذا؟ لأن هذا النظام عم بالهم باللي المشكلة تاع الجزائريين هو مشكلة تصفيت حسابات وليس الرد حسابات مشكلة تاع تقاتل العصابات وليس مشكل سياسي والمشكل السياسي هو أن النظام غير شرعي لم ينبثق من الشعب الجزائري اليوم القايد صالح ومشتقاته يحبوا يدوروا لنا باللي يحبوا يتغامروا معنا وهذه كل هذه توت سي زاريستاسيون انها كاميرا كاشي انها كاميرا مخفيه قبل أوي. رمضان هوي هما اللي قالوا لنا باللي رمضان غدوه وبداوا بالكاميرا كاشي علاه نقول هذه عندنا مثل عندنا يقول باللي celui qui est mordu par le serpent il a peur même de la ficelle. Bien qu'aujourd'hui, la peur n'est pas du côté du peuple, le sourire, il est du côté du peuple. Mmh. La peur, le mur de la peur, il est cassé le 22 février. Qu'est-ce que demande le peuple? D'abord, c'est quoi la nature de la crise que vit l'Algérie? L'Algérie est dans une impasse historique et une impasse politique. Il faut des réponses politiques. Que fait Gaïd Salah? J'arriverai à ces lettres, parce que dans ces lettres, il y a une dose de narcissisme, il y a une autre dose qui est encore beaucoup plus dangereuse, qui est le déplacement des problématiques. Et l'ennemi de Gaïd Salah aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut faire penser, à ce qu'on peut faire véhiculer comme idée, à ce qu'on essaye d'entrelouper et de manipuler, ce n'est pas tant Toufik. Pourquoi? Parce que s'il avait arrêté Toufik,
Ce n'est pas en attendant à ce que ce Toufik qui a commis des crimes contre l'humanité, qui est passible devant le TPI, qui est passible des peines incroyables. Pourquoi qu'il a attendu maintenant? Cet homme, il a agi. Et d'ailleurs, je tiens à signaler juste une précision pour qu'on se rende compte des capacités de nuisance de ce Toufik Hachel Isman. Depuis qu'il est mis de surcroît en retraite, aucun mouvement populaire ne s'est soldé par le sang. Ça, c'est un élément, c'est une observation de taille. Mais il n'y a pas que lui. Il y a Belkhir, il y a la mairie, il y a ce qu'on a appelé à un certain moment, parce qu'en 92, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit on va sauver la République. Mm-hmm. Elle est où cette République qu'ils ont sauvée? Ils ont sauvé leur compte en banque, ils sont tous riches, et leurs enfants autant. Et aujourd'hui, c'est qui est pauvre? C'est le peuple algérien. Aujourd'hui, ils vont venir, ils vont nous dire, on va nettoyer. Qu'est-ce que vous allez nettoyer? Ils ne vont rien nettoyer, absolument pas. C'était ma question, justement, Saïd Akin. Est-ce que ce peuple va se faire encore faire avoir une deuxième fois? Il l'a prouvé. Le peuple, il ne se fait plus avoir. Le peuple, il est resté dans Chab al-Jazairi, Thabit fi matab Libye. Wal matalib al-Shar'iyya li Chab al-Jazairi, innaha mansoukha. Fi al-Dustour, nta Chab al-Jazairi, alladhi katabahu Chab. Et il a voté der intikhabat ala hadha ala hadha dostour wach kan f dostour chaab el jazair el madda el oula blad bladna w ndirou rahina. C'est très facile, il faut le traduire par la suite sur le plan politique. C'est la démocratie participative d'initiative, les contre-pouvoirs, c'est la liberté, ainsi de suite. Il faut le traduire politiquement. Mais Gaïd Salah, bac moins 200, incapable de traduire le langage du peuple dans cette situation. Le deuxième que le peuple a dit, c'est quoi? Il a dit « Il dit « Nahaou Gha ». Où est-ce qu'on dit « Nahaou Gha » Gaïd Salah, il y a Gaïd Salah. Il y a d'ailleurs « Oulahou Arajin ». ولا هو راجل يحب يدير الخير للبلاد حب يدير راجل اي قايد صالح انت راجل التطبيق فورا الماده السابعه والماده الثامنه ومن هذا تنبثق جميع الاجراءات العداله الشعبيه والعداله فوق الجميع والشعب الجزائري بالعداله المستقله والحره هو الذي c'est lui qui va juger العصابات lui son rôle maintenant c'est juste de les empêcher de partir qu'il reste dans le territoire national. Mais Saïd Akin, ce n'est pas pour jouer un peu le rôle, je sais pas, du diable, mais le peuple algérien, justement, a quand même, parmi les revendications du peuple algérien, c'est de juger ses têtes. Écoutez, dans ton introduction qui est si bien ciselée et qui est si bien faite, dans ce que je fais comme métier, nous avons ce qu'on appelle la pyramide des priorités. Il y a ce qui est important, il y a ce qui est urgent, il y a ce qui est non important, il y a ce qui est non urgent. Mm-hmm. Ça, c'est dans la résolution des problèmes. C'est quoi l'urgent aujourd'hui? Donc, l'urgent aujourd'hui, tarwa. Awalen, bled bledna ou ndiro rayna. Al-khatar, ana min al-hirak, ana min al-sha'b, ana kharj min al-sha'b. Je n'invente pas des choses. Wa min hadha talbathiq al-adala al-mustaqila. La période, al-marhala al-intiqaliya laysat bil-adala al-intiqamiya. Al-marhala al-intiqaliya sawfa tu'assis lana. مؤسسات وتعطي لنا جميع الإمكانيات للمحاربة ضد الفساد pour juger العصابة ولكن nous nous sommes en train de vivre une période de ce qu'on appelle les rites sacrificiels entre bandes claniques. Et là je m'explique, tout à l'heure vous avez fait référence à Sisi. Sisi, qu'est-ce qu'il a fait pendant trois mois? Il a arrêté Moubarak, il a arrêté les enfants de Moubarak, il a arrêté des généraux. Et trois mois après, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a libérés et il a arrêté ce qui faisait la révolution. Et une année après, il a commencé à tuer son peuple. Donc, dans cette situation, l'urgence, c'est de restituer la patrie au peuple et la libération de tous les détenus politiques. L'APN, le conseil constitutionnel, هادو كاع ينحيوهم ينحيوه بدوي بدوي والاخر pourquoi qu'ils ne veulent pas dissoudre les assemblées. Moi je vais vous dire pourquoi. S'ils dissoutent l'Assemblée nationale, 80% des députés vont se retrouver en examen. Ils vont se retrouver devant la justice. Ils ne veulent pas la dissoudre parce qu'il y a Taliban à l'intérieur. L'immunité parlementaire.
Pourquoi qu'ils ne veulent pas dissoudre le Conseil constitutionnel? Parce qu'il a rôle. L'autoroute Est-Ouest. Jamel Ouda Abbas. Il y a Jamel Ouda Abbas. Rafou Ali Al-Hassan. Mais il faut dissoudre tout ça. Dissoudre toutes les assemblées et aller vers une médiation entre les hommes et les femmes intègres dans cette institution. Et il y en a. Pas Gaïd Salah. Pas Gaïd Salah. Aller vers une médiation avec la société pour pouvoir lancer les jalons de la Deuxième République démocratique humaniste et pour construire. Mais sinon, l'héros aujourd'hui, c'est qui? Gaïd Salah, l'héros. Oh, c'est le peuple, bien sûr. Saïd, je reviens vers vous. Il y a avec nous, on me dit, Burhan Messir est avec nous, c'est par téléphone. Monsieur Burhan Messir, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Ghasmi. Bonsoir à vos invités et à tous les téléspectateurs d'Al-Maribia. Merci. Monsieur Messir, quelle est votre première lecture, tout d'abord, par rapport à ces arrestations? Ben, tout d'abord, permettez-moi de signaler une chose, c'est que parmi ces trois personnes, c'est ce trio qui a été arrêté, il y a deux janvieristes. Et là, permettez-moi d'avoir une pensée envers les victimes, envers les familles des victimes durant la décennie noire, envers les personnes qui ont été enlevées et envers leurs familles également. Donc, par rapport à cette arrestation, c'est vrai que, personnellement, quand l'information a circulé hier en boucle sur les chaînes de télévision privées, je dis bien privées, et pas sur les canaux officiels, que ce soit en matière de communication institutionnelle ou bien la télévision publique ou bien l'APS, personnellement, quand j'ai eu l'information hier, je n'y ai pas cru. Mais en voyant aujourd'hui les photos qui ont été, les images du mois de la télévision publique et le communiqué surtout du parquet militaire, je me suis dit que quelque part, il va y avoir un avant et un après arrestation, cette arrestation. Comme il y a eu un avant et un après 22 février par rapport à la mobilisation populaire. C'est vrai que maintenant, pour y croire ou pour ne pas y croire à 100% et douter des actions, il est vrai que maintenant, la chose qui est actuellement, qui est constatée, c'est que la fracture entre le peuple et les gouvernants est là. Il y a une énorme fracture et il sera très difficile de la combler. Pardon? Oui. Allô? Oui, monsieur, messieurs, poursuivez, oui. Oui, donc il y a une énorme fracture. Il est très difficile avec les bonnes intentions, toutes les bonnes intentions du monde de la fracturer. Je vais essayer d'avoir un point de vue qui est plus ou moins différent par rapport à ce qui a été dit par vos invités. Le mouvement du 22 février, quand il a commencé avec une revendication qui était contre le 5e mandat. Puis ça a évolué vis-à-vis du volet politique et surtout du volet judiciaire, parce qu'on est arrivé à un stade où la population, où le peuple qui est sorti dans la rue a demandé à ce que ces personnes-là soient arrêtées. Ces personnes-là, je ne dis pas ce trio-là spécialement, ces personnes-là qui ont été responsables de tout ce massacre soient arrêtées et traduites devant les juridictions compétentes. Il est clair que pendant 20 ans, si ce n'est pas plus, moi je me limite personnellement à la période de Bouteflika. Pendant 20 ans, toutes les institutions du pays ont été cassées. Il n'y a plus d'institution qui est debout. Ça a été vraiment un grand massacre. Malheureusement ou bien heureusement, maintenant c'est selon, il y a une seule institution qui est encore debout et je mets de côté le commandement. Je parle de l'institution militaire. Il y a une institution militaire actuellement qui est debout et qui est en train de faire tant bien que mal un travail. Il y a eu des arrestations, il y a eu des complots qui ont été fomentés. Il y a eu des choses qui ont été faites, mais pour combler cette fracture qui existe toujours entre le peuple et les gouvernants, il faut faire vraiment un travail de sable et il faut vraiment se sacrifier. Et même de notre côté en tant que peuple, de notre côté en tant que personnes qui ont été mobilisées depuis le 22 février, il faut savoir une chose. Maintenant, on est à la croisée de chemin. On a trois voies à suivre. Soit on continue à 100% et c'est selon la position des personnes, on continue à 100% dans ce mouvement, soit on continue dans ce mouvement et on essaye tant bien que mal d'aller vers des négociations, d'aller vers un dialogue, parce que qu'on le veuille ou non, nous avons une référence historique qui est les années 54-62. Durant 7 années et demie, le peuple algérien a souffert du colonialisme français. Mais nous avons eu plus d'un... Monsieur Burhan, un dialogue avec qui quand vous dites dialogue?
Je dis, attendez, je termine mon raisonnement et je vais répondre directement. D'accord, en fait, allez-y. Bien sûr. Parce que nous avons le peuple algérien, durant, entre 54 et bien avant, jusqu'à 62, a combattu le colonialisme français, a combattu la France. Il y a eu 1,5 million de morts. Mais malgré cela, les hommes, les vrais révolutionnaires, sont allés au dialogue avec le colonialisme, avec la France. Il y a eu les accords d'Évian. Maintenant, ce qu'il y a eu, ce qu'il n'y a pas eu à l'intérieur, ça, c'est une autre paire de manches. Maintenant, discuter avec avec qui? On est obligé de prendre ce qu'on a. Nous sommes le peuple. Le peuple a dit son mot le 22 février. Maintenant, la position du peuple n'est pas la même que celle des années 90 ou avant. Le peuple, maintenant, peut s'imposer. Nous avons maintenant une instruction, le dossier, les gens qui, soi-disant, sont versés dans certains délits ou certains crimes, c'est selon maintenant. C'est au peuple maintenant de suivre après quand il y aura des élections, quand il y aura des représentants sérieux du peuple, quand il y aura, même si on a en face de nous un Gaït Salah ou un Qaddour ou un Boualem, il faut savoir, c'est ça le dialogue, les négociations. On ne vient pas au dialogue ou à la table de négociation, on est dans un terrain conquis, on a tous les atouts dans la main, on impose ceci et cela. Les négociations et le dialogue, c'est une véritable bataille. Et c'est à partir de là, si on arrive à dégager des responsables et instaurer un nouveau régime, un nouveau système politique, c'est à partir de là où on continuera à suivre ces affaires qui sont en train d'être traduites en justice actuellement. Merci, Burhan. Monsieur, restez avec nous. Saïd Aknin, c'est bien d'aller vers le dialogue. Mais aujourd'hui, le peuple algérien expose un autre problème, celui de la légitimité et de l'illégitimité, justement, des institutions de l'État. Avec qui, comment? Il y a un préalable aussi de la part du peuple, il exige quand même un minimum. C'est le départ déjà de quelques têtes, enfin exactement, de tout l'état du système. Vous savez, dans tout conflit, il y a des antagonismes, il y a des belligérants. Par conséquence, le peuple aujourd'hui, depuis le 22, il demande un certain nombre de choses qui sont de l'ordre de son droit et de ce qui est de ses aspirations. Pour réaliser ces aspirations du peuple, il y a en face un régime qui a volé, qui a squatté, qui a tué, qui a, ainsi de suite. Qui n'a fait, entre guillemets, je le dis, que de pratiques sataniques, sciemment faites pour détruire à la fois le peuple et à la fois la patrie. Aujourd'hui, ils sont en train, au lieu de répondre favorablement aux aspirations du peuple, ils sont en train, il serait naïf de croire à la bonne volonté de celui qui a ramené Bouteflika en 99, qui l'a soutenu en 2004, qui l'a aidé dans la constipation de 2008, qui l'a soutenu en 2009, qui était pour le cinquième mandat au début. Et puis par la suite, il était pour un quatrième mandat et demi. Ensuite, il était pour un quatrième mandat et un tiers. Et aujourd'hui, il veut jouer le héros. Le héros est le peuple. Parce que sans ce peuple, sans le 22 février, on serait aujourd'hui devant nos télés en train de regarder le cinquième mandat qui va offrir un chameau au cadre, qui va offrir sa femme au cadre, qui va offrir un cheval au cadre. Par conséquent, aujourd'hui, il y a des mesures d'urgence qu'ils doivent prendre. Les mesures d'urgence, c'est la dissolution de toutes ces assemblées. Mmh. Et puis, par la suite, la libération de tous les détenus politiques. Il faut la libération parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont en prison, qui sont sortis, qui sont innocents. Il y a d'autres détenus. Babandja, c'est le plus ancien. C'est le plus ancien détenu politique en Algérie. Il y a Frar, c'est un détenu politique. Et Hajj Gharmoul qui a été arrêté justement pour avoir Hajj Gharmoul, parce que c'est le premier blogueur qui était contre le cinquième mandat. Aujourd'hui, oui, il est en prison. Il faut qu'ils arrêtent aussi les intimidations et l'oppression du peuple. Hier, ils ont interdit à l'association Raj de tenir son forum à Alger. Aujourd'hui, ils ont interdit aux étudiants de la fac centrale de faire leur marche et ils les ont parqués dans un parc. Donc, dans cette situation, on se dit une chose. Que veulent-ils? Ils veulent nous endormir, casser le Hirak et gagner du temps. Ils ne veulent pas, ces gens-là ne veulent pas du bien pour le pays, ils ne veulent pas du bien pour la patrie, ils sont là à faire le caméra al-marfiya et au-delà, et en plus de ces mesures d'urgence, il y a aussi l'arrêt de transfert de l'argent vers l'étranger. L'arrêt de transfert de l'argent à l'étranger.
Et ça, c'est très important, parce que les mouvements financiers continuent. La dilapidation du pays, elle continue. Et le peuple algérien, ils sont en train de créer une diversion. La diversion, c'est quoi? Ils veulent nous ramener, au début, ils voulaient nous ramener d'une crise, d'une impasse politique à une impasse juridique, constitutionnelle. Le peuple, il a dit non. On a compris, le peuple a déjoué. Le dixième vendredi, le peuple a déjoué. Et maintenant, ils veulent nous ramener vers une autre diversion. La diversion, c'est quoi? C'est de déplacer la problématique politique, l'impasse politique, vers la corruption. Et ainsi dit, la corruption, celui qui veut lutter contre la corruption, il faut qu'il soit propre. Et la question que je me pose, M. Gaïd Salah, es-tu propre? Et la troisième des choses, je veux bien revenir sur un certain nombre de choses dans son discours. On va revenir, Saïd Aknin. La corruption. Oui. Parce que Gaïd Salah, dans sa dernière lettre, il a dit quelque chose de très dangereux et qui nous donne un aperçu de ses intentions futures. Dans sa lettre, il a dit que l'institution militaire a lutté contre la corruption bien avant, et d'ailleurs nous avons incarcéré des nôtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il dit à la société civile, il dit aux politiques que l'institution militaire, elle est en avance par rapport à vous. Donc, cette histoire de séparation des pouvoirs, ce n'est pas le moment. C'est ça que ça veut dire, cette phrase. Mmh. Et on arrête. Et pourquoi qu'il arrête tout faire? Pourquoi qu'il arrête? Ce n'est pas qu'ils ont comploté contre l'État. Parce qu'ils ont comploté contre Gaïd. Parce que quand il fallait les arrêter, personne ne les a arrêtés. Quand Toufik, il faisait disparaître des êtres humains, personne ne l'a arrêté. Mais c'est un problème de narcissisme et de personne. C'est pour ça que je dis, à travers ces deux éléments, ce n'est plus une question de patrie et de peuple, mais une question de Issa Bête, une question de lutte clanique et de sacrifice. Et des rites sacrificiels claniques. On va regarder ensemble ces images, justement, l'arrivée des trois têtes au tribunal militaire, et on continue. الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري وال77 وال78 من قانون العقوبات. ولضرورة التحقيق قام الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة بالبليدة الرأي العام علما بالمتابعة القضائية المفتوحة هذا اليوم الخامس ماي 2019 ضد كل من المدعوين عثمان طرطاق محمد مدين وسعيد بوتفليقة وضد كل شخص يثبت التحقيق تورطه من أجل تهم المساس بسلطة الجيش ولضرورة التحقيق قام الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء تحقيق وبعد توجيه الاتهام أصدر هذا الأخير أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة أستاذ فضل العيش نعود للسؤال نتاعنا هل من اختصاص المحكمة العسكرية محاكمة مستشار الرئيس سعيد بوتفليقة؟ شكرا أريد أن أوضح توضيح بسيط إذا سمحتوا بالنسبة لرئيس العصابة الأصلي هو بوتفليقة لماذا بوتفليقة؟ السؤال راه جاي حول بوتفليقة راح نقطة بسيطة لماذا هو بوتفليقة؟ أول نبدأ به لأن في أثناء الثورة التحريرية جاء واستقبله دوغول أولا ثانيا دار المؤامرة في 63 ودار انقلاب ثالثا دار انقلاب في 65 إذا ما نقولوش غير العصابة جابته. ودار مؤامرة في 58. أكبر مؤامر من الجزائر. نقولوا أين كنت يا الشعب الجزائري؟ هذا من البداية تاع مؤامرات، لا يحب هذا الوطن. في الثورة التحريرية طرد من الثورة وبداوا يعيطوا عبد القادر المالي، لماذا عبد القادر المالي؟ لأن الجيش في آنذاك الجيش التحرير الوطني قد أدمه وأصحابه طردوه المالي، سمي بعبد القادر المالي. إذا واش حبيت تقول أنا في هذا؟ هو رئيس العصابة الأصلي كي جاء في 99 هذا هو السؤال هذا هو اللي عليكم الحق 100% هو كي جاء في 99 أحد المجاهدين ومن المجاهدين المعروفين سي الأخضر بورقعة ماذا قال لي أنذاك قال لبعض الزملاء قال لهم لورنار قال لهم الذيب ما يقدرش يطرح في وسط النعاج الشعب الجزائري مسالم وجبتوا له ذيب
هذا كي جابوا 99 قالها الجيش وانت على حق قال لهم واش جبتوا هذا ليرونار ما قدرش يعيش مع الجزائريين واش حبيت نقول هذا ما جاش يعني سرق برك جاء دم الجزائر بكمالها في بدايه الامر كان بعض المسؤولين يهربوا مثلا من احتمى حزب ولكن سي بن بيتر قال له لحلوك وقتو قال له ما نخدمش معاك كذلك سي بن فليس لحلوك وقتو قال له ما نخدمش معاك كذلك وزير الفلاحه وزير هذه قصه مهمه والحواجب عندما عينوا وشافوا ما يعملش بالعمل القانوني دار استقاله اي طلق الارواح وانت في دير الاستقاله والحاجب يسان يحشم هذاك تاع عباديه رجع ليه في مجلس الوزراء قالوا راك مستقيل استقلت قيلك يعني با تشوف هذا مش انسان مش انسان وبالتالي رئيس العصابه الاصلي انا اقول رئيس العصابه الاصلي هو بوتفليقه طبعا ما محل اوكي طيب ما محل بوتفليقه جوستمو من هذه المحاكمات علاش ما يجيبوهاش وهذا السؤال في محله اسكو سي بوسيبل اذا رجعنا لكل من كان ينادي بالعهده الخامسه واذا رجعنا للاطباء نتاعو واش قالوا قال بوتفليقه في كامل الصحه العقليه والبدنيه واعطوا شهاده طبيه وعلى راسهم القايد صالح وعلى كل المسؤولين نعم. قال لك اودي هذا مليح وبصحته ندور سيكيموندا امو نافي مادام عنده شهاده طبيه باللي صحيح العقلي والجسمي نحكمه هو اولا ثم يجي خوه ثم يجي كاع المجموعه تجي من ورائه لانه ماذا قالوا صحيح هو لاباس عليه وقدموا شهاده طبيه اذا العصابه هو اللي خلق العصابه وهو اللي رجعنا قريه دشره كل مجموعه اللي تعمل معاه لازم يكونوا قريته من جميع القطاعات 17 وزير من سرده 17 وزير من قريته 35 نائب عام من قريته هذا جاء ينتقم من جزائر العزيزه ولكن الحمد لله كما قلت الحراك شمل جميع الجزائريين الحراك حرر الجميع حررنا نحن القيود وانا نقول اخيف وقفة إجلال هذا الشباب لأن هما اللي حركونا هما اللي حررونا إحنا ما علينا إلا نتابعوا هذا الشباب وإذا أخطأنا في حقهم يا شاب أننا أخطأنا في حقكم وهذا كل مسؤول لازم يقول هذا الكلام لأنه يجي وقت يا أستاذ حتى كل من يعمل في الدولة هذه ما يقدرش يتكلموا معاه هل يمكن أن نفهم من كلامك أستاذ أنه يعني واحد اليمن بهذه المسرحيات وبكل ما شراه جاري أنه سب لعقلية والانتليجنس نتاع الشعب الجزائري اليوم اللي راه في الحراك يعني ليا من بلي هذه كاع واش راهم يديروا ماشي مسرحيه لا انا ما نقدرش نقولوا مسرحيه من بدايه الامر هكذا مسرحيه كل نعم. واحد وتوجهه كل واحد فيك تاعو لينا الان واش راه وقع طلاق انفصال بين الحراك والسلطه باش نرجعوا هذه الثقه كما قال الاستاذ لازم تكون ماديات ظاهره ومتوضعه باش يقدر الشعب يثيق الان الشعب مازال ما ثقش راه الشعب ما حبش الشعب ما حبش حنا رانا نشوفوا يعني في التعليقات نتاع الجزائريين قال لك هذه خرطيه هذه كاع في سطي ولكن مهما يكون هذا رئيس حكومه جابوه انت كنا ننتظروا في حياتنا هذا رئيس حكومه تجيبوا العداله تنتظر رئيس حكومه ما كاينش رئيس حكومه كان هو الجزائر شكون انا ننتظر انا نجيبو منا وندير انا ناضل من 94 حتى اليوم باش يوصل هاد الساعه شي هاي انا ما دخلتش في النظام ما كليتش في النظام انا عمرو ما عطوا لي بالتليفون باش ندخل واحد الحبس حبيت نقول الشعب الجزائري انا ما كنتش وزير ولا وزير اول لا باش انت انا وليد الميزيريه وليد الشعب وتحيا الشعب الجزائري يعني الشعب الجزائري هي ضر على الشعب الشعب الجزائري بصفه عامه ما كاش ينتظر باه يشوف هذا يحيى ما كاش يضرب باه يشوف هذا توفيق رغم ان شفنا شرطي يضرب له التحيه يعني امام المحكمه والشعب الجزائري وكل علق على هذا القصه امينه اريتي توفيق طرطاق سعيد بوتفليقه اس فريمون اون فولونتي جوستمون دالي فير لو شانجمون ريستيتوي لو بوفوار او بوبل او alors سي دو لا بودر اوز يو جوستمون بور et construire un autre pouvoir de même nature. Si Gaïd Salah avait la volonté d'écouter le Hirak, écouter ses demandes sont claires. Elles ont été répétées 11 semaines de suite, sans arrêt, scandées d'une voix à l'unisson. Quand on demande la fin de la corruption, quand on demande la fin de l'Isaba, le départ, souvent il y est inclus. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'il a écouté. Donc, il le fait croire qu'il entend, qu'il comprend la volonté
Et par ça, il se l'accapare et il se positionne comme Al-Amer al-Nahi, monsieur qui a tous les pouvoirs. Il a mis le pays aujourd'hui sous tutelle, alors que l'Hirak en face a enlevé ses chaînes, s'est défait de cette tutelle-là qu'il avait, et ce n'est pas pour la redonner au chef de l'état-major. On rappelle juste que le dernier vendredi était une réponse claire à Gaïd Salah, justement. Exact. Les Algériens ont scandé clairement Jishna ou Gaïd Khan. Vraiment, c'était une journée de manifestation en réponse direct à Gaïd Salah. Et c'était dans les appels à manifester avant vendredi, c'était formulé clairement. Toutes les pancartes, tous les slogans lui étaient adressés. Donc, monsieur Gaïd Salah, si vous voulez vraiment écouter le peuple, arrêtez cette mascarade. Une insulte à notre intelligence. Ce qu'on veut est clair, c'est une période de transition. Ces arrestations... Effectivement, le fait que Saïd Bouteflika, tous ceux qui ont été impliqués dans la corruption, qu'ils soient arrêtés, jugés, etc., bah, évidemment, ça a été dit au début, c'est un devoir, c'est l'application de la loi. On ne va pas mettre la charrue devant les bœufs. قبل ما تنفي وتأمر وتو ديسيد وتخلط في لا جوستيس وديرنا فوضى et l'opacité et l'accélération et etc. Il faut les institutions. On commence d'abord par les institutions. C'est pas à lui de décider qui va en premier en justice. Il c'est pas lui de prendre le téléphone, régler ses comptes à qui que ce soit. C'est vraiment la légitimité populaire d'abord qu'il faut reconnaître, les institutions à remettre à plat, reconstruire tous ces fondamentaux démocratiques. Et c'est ensuite que la justice pourra faire son travail en toute impartialité, en toute indépendance, en toute transparence vis-à-vis de la population. Merci. Burhan, monsieur, une dernière question. Monsieur, on a un pouvoir donc où on a un Gaïd Salah qui est en train de magouiller, de manœuvrer, enfin, de proposer, d'emprisonner des gens. Et on a un peuple de l'autre côté qui est lui aussi déterminé d'aller jusqu'au bout dans ses revendications, dont la première est le départ de tout le monde, de toutes les têtes de l'Isaba. Comment on peut concilier entre les deux ou arriver à une solution aujourd'hui? D'abord, permettez-moi de dire qu'en situation de crise, oui, si les sentiments prennent le dessus sur notre manière de raisonner et sur notre manière d'agir, forcément, on va tomber dans la suite. Depuis le 12 février, le peuple a demandé le changement du régime, le changement du système politique et surtout l'instauration d'un véritable état de droit. Donc, on essaye plus ou moins d'être droit et de dire le droit. Imaginons un peu. Maintenant, il va y avoir un discours à 20h. Le Ben Salah va faire un discours. Oui, imaginons justement, on attend. Pardon ? Oui, allez-y. On attend justement son discours. Même si je vais rêver, je vais dire imaginons un peu qu'il décide de démissionner et d'annuler les élections. Qu'est-ce qu'on pourra faire ? Il est grand temps maintenant de réfléchir. C'est bon. Le mouvement, il continue. Le mouvement du 22 continue. Les marches vont continuer. Il faudra penser en parallèle. Même si on est obligé de négocier avec le diable, il faut le faire. C'est ça le dialogue. Il faut savoir s'imposer. Nous avons une énorme chance. Ce sont des affaires de justice qui sont au début de l'instruction. Ce sont des affaires, et je parle sur le contrôle du juriste qui est à votre niveau. Ce sont des affaires de justice qui vont prendre du temps. Donc, ce sont des affaires qui vont être décidées d'ici une année, deux ans. Alors, il est grand temps d'aller de l'avant, d'aller, qu'on le veuille ou non, on est obligé de sortir de continuer le mouvement. Mais il faut aller négocier même avec le diable. Moi, personnellement, je ne retiens pas l'institution militaire. C'est un membre du commandement. Et vous, il y a tout un monde derrière. Il y a tout, des journaux, des militaires. C'est pas uniquement des... Mais qu'est-ce qu'on est, nous, qu'est-ce qu'on est prêt à faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire demain? Imaginons, nous avons une annonce brute, et qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer le mouvement après. Mais entre-temps, il y a des gens, il faut le savoir maintenant, il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Au moment où le peuple est en train de sortir dans les rues chaque vendredi, il y a des négociations et un travail de coulisses qui fait pas mal de personnes et personne ne sait exactement où va la situation. Donc il est grand temps pour ce peuple, pour le peuple, parce qu'il est sorti le 22, il a imposé, il y a eu beaucoup de changements. Qu'on le veuille ou non, il y a eu beaucoup de réponses à des attentes qui ont été formulées par la mobilisation du 22 février. Monsieur, est-ce que ce genre d'annonces sont vraiment possibles aujourd'hui? Nous avons des annonces quand même. Il y a eu des démissions. Il va y avoir d'autres démissions. Il y a eu des traductions en justice. Il va y avoir d'autres traductions en justice. Mais il faut savoir une chose. Le trio arrêté aujourd'hui, ou du moins le trio neutralisé. Moi, je dis neutralisé aujourd'hui. Il faut savoir que ce trio, il a des ramifications. Il y a des centaines de milliers de cadres, de personnes qui travaillaient sous ses ordres. C'est un trio qui n'allait pas s'imposer devant de 20, 40, 43 millions d'Algériens comme ça. Il a des ramifications. Pour pouvoir attaquer un système politique ou un régime qui a sévi depuis maintenant des décennies, il faut s'attaquer à ses têtes. Maintenant que vous avez ses têtes, maintenant petit à petit, il faut démanteler. Mais là, dans cette partie, il faut que le peuple soit présent. Il faut pas, moi, je dis que c'est vrai qu'au départ, il fallait nier. Bah, je discute pas, je négocie pas, il n'y a pas de dialogue. Mais maintenant, petit à petit, on s'achemine vers une situation où on risque de tout perdre. Et comme l'a dit M. Sebekni tout à l'heure, on risque de revenir à la situation de l'Égypte. Parce que c'est vrai que la situation est différente, même si la situation est différente, parce qu'en Égypte, c'était une partie de la population qui était attaquée. C'était exactement ce qui s'est passé chez nous durant les années 90. Maintenant, nous avons le peuple entier qui est contre ce régime et qui cherche vraiment le changement. Et le changement, le régime ne va pas le donner comme ça. Il faut aller négocier, il faut se sacrifier, il faut s'asseoir avec le diable s'il le faut, mais il faut imposer ses idées et surtout pouvoir s'imposer par rapport au futur et par rapport aux générations qui vont venir. Merci, monsieur Messir. Yatik Sahar, une prochaine fois, Inch'Allah. Sahar Mdank. Saïd Akinin. Monsieur, justement, on parlait de négociations. Et est-ce que c'est possible, Ben Salah annonce le report des élections ou sa démission, est-ce qu'on a une feuille de route à côté ou pas? Vous savez, d'abord, Ben Salah n'a aucune raison d'être. Il est clandestin depuis son installation, il ne s'est pas exprimé, il n'a rien dit et... il a intérêt à ne rien dire parce que son discours, il est inaudible. Quelle légitimité qu'il a? Quelle légitimité pour celui qui a intégré ces institutions fantoches, contrairement à ce que vous disiez? Mais de ce côté-là, on est d'accord, Saïd. De l'autre côté, le côté du peuple de Hirak, est-ce qu'on a une feuille de route? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien sûr, le peuple, au moment voulu, oui. En 62, quand la colonisation, les colons allaient partir, ils ont dit la même chose. Si on part, qui va faire le labour? Qui va assurer l'instruction? Et vous allez être dévoré par les voisins, par les autres puissances. Après moi, les Algériens, Moudjahidin, Ouajgelou. Parce que ça, c'est le chantage au chaos. Moi, je ne rentre pas dans ces trucs. Moi, ce que je sais, c'est que dans ce peuple, il y a des hommes et des femmes. Dans ce peuple, il y a du génie. Et si tu te rappelles, depuis maintenant une dizaine d'années, je dis que le peuple algérien est un grand peuple, y compris dans les émissions où j'ai participé avec toi, au moment où personne ne croyait. J'étais le seul à dire que ce peuple est un grand peuple. Aujourd'hui, je dis une chose. Partez d'abord. Partez, rohio, dégagez. Et dans ce peuple, il y a des hommes et des femmes. Il y a des compétences. Il y a des feuilles de route. Il y a des manières de faire. Il y a de la sagesse. Il y a bien sûr qu'il faut passer par une négociation. Bien sûr qu'il faut passer par la médiation. Mais on va négocier avec celui qui nous emprisonne, celui qui arrête nos actions, celui qui ne veut pas arrêter le transfert des capitaux, celui qui ne veut pas libérer les prisonniers, et celui qui est en train de nous jouer une pièce théâtrale pour anéantir, étouffer, semer le doute dans le Hirak, parce que lui, il veut jouer le héros. Et d'ailleurs, tous les slogans qui étaient contre Gaïd Salah, ils ont été interdits de télévision. وشعب الجزائري بذكائه واش كان يقول يقول avant il disait effectivement الشعب والجيش خوا خوا دونك يقول الشعب الجزائري الجنود والشعب خوا خوا خطر عليه القياده العسكريه خانت الشعب الجزائري وهي التي خانت الشعب الجزائري ب 62 بوتفليقه هو عصابه ولكن المشكل الحقيقي للجزائر هي القيادة العسكرية وليس فقط بوتفليقة لماذا؟ لأن هذه القيادة العسكرية هي أتت به
هي التي زورت الانتخابات، هي التي ساندته في جميع المراحل. هي التي كانت تسانده. قايد صالح كان يقول لنا باللي انتم غامروا عليكم، وانتم كيراهم مغرر بكم، ان انتم مغرر بكم. شكون يغرر بي انا؟ انظر كنت شكون اللي يغرر بك؟ تحب تغرر بي وتلعب لي لا كوميدي يا قايد صالح؟ دونك قايد صالح واش كاين يدي؟ كاين حاجه سهله ماشي صعيبه، والله سهلة يا قايد صالح. التطبيق فورا المادة 87 وخليونا سيد. هذه هي هكذا نبنيو المؤسسات، والمؤسسات كما قالت الأخت هي اللي تدير عدالة مستقلة، هي اللي الفا جوجي لي فولور، الفا جوجي لي ساساسان، وتوفيق هذا نمدو للسي بي يو ولا نديروه في الحبس حتى يموت. وحنا ما نعذبوش، هو عذب العاشي، حنا ما نعذبوش، حنا نحترموا لي بريزونيي، لي دروا دلوم حقوق الانسان. وطرطاق هذا، طرطاق هذا ثاني يروح الحراش ويحيى هذا اللي ويحيى يهضر على الحوار. شوف وذهب لو كان الانتخابات نزيهه، لو كان عداله مستقله واش يديروا يحيى في واش يهضر ويحيى على لا 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 لا. ويحيى يهضر، ولو كان عدالة مستقلة يهضر ويحيى، يكون هضر على شفافية مام، يهضر إيلوز بارلي سور لا ترونسبارونس. يفو كي ستيزا جامي سويلا، يفو كي شونج دو بلانيت، يفو كي يفا دون زون بلانيت اون مونج كو دو ياورت وين يا كو دي شيان. خاطر قال باللي الشعب الجزائري جوع ويتبعك. شكون يجوعنا؟ شكون انت تجوعنا؟ هو الفاره هذيك تاع 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 كي طون ترين دانسورتي لي زوم زي لي فام ديني دو الجلفا دو سو باي. دونك لو ديالوغ اي دون نوتر سوسيتي. ريغاردي كونت اون ان كونفلي اون فامي كيس كون سدي اون سدي اون فا ساتابلي اون فا ديسكوتي. مي او جو نو بي با ديسكوتي افيك توا سي تو مي اون بال. هما سي سكي فول فير، اي فول فير سا et ils veulent affaiblir le hirak. حنايا ما نسمعوهمش، حنايا واش راه صاري بين العصابات ما يعنيناش. استاذ واش يعنينا الماده السابعه والماده الثامنه؟ والسلام عليكم. استاذ فضل عيش، ربما السؤال الاخير ليك هو هل يعني نوليو التهمه هذه نتاع الخيانه العظمى، هل هي يعني من مصلحه شكون ينظر فيها؟ هل المحكمه العسكريه؟ لان مجلس الدوله ما كاش، يعني كيفاش المشكله هذا؟ لا، هي القانون العسكري تم تعديله في جويلية في 2018. في القانون القديم كان نشرع فيه المدنيين والعسكريين كما قال الزميل في 92، هذا اللي وقع هذوك الإخوة اللي دهم قاع للسجون وكذا كانوا مدنيين ودهم للصحاري، كانت ثغرة في القانون العسكري. الآن في القانون العسكري تاع 2018 في جويلية كما عدل في 2018، يا إما أن تكون عسكري يا إما تكون تابع للعسكر. اظن المدام من 240 و84 وما يليها. لكن الشيء اللي داروا في القضاء العسكري الجديد، اولا القاضي العسكري عنده الحق غير مده سنه واحده، قانون جديد اللي داروه. يعني هذا الجيج اللي عينوه يقدر يخدم غير عام واحد، ما يقدرش اكثر من عام، بعد عام يزم يعاودوا ويعاود يجدوا ويعاود يدير واحد اخر. الشيء الثاني بالنسبه لهذا المدني وهذو عسكريين، عندما يكون ارتباط، والسادة تاع القانون يعرفوا، عندما يكون انضمام وارتباط ويصعب الفصل بين القضايا، اي جهه قضايا تحكم فيها تحق فيهم، اما القضاء المدني يحق فيهم ككل، اما القضاء العسكري يحقق فيهم ككل. عندما الانتهاء من التحقيق، القاضي التحقيق العسكري يقوم بالفصل، الفصل بين الملفين، المدني يحيل القضاء المدني والعسكري يخليه في القضاء العسكري. واش حبيت نقول؟ بصح كي لو فات انه يعني متهم باتنت لوتوريتي دو لارمي، اسكو ماشي هذه الجهه يعني من الحكم اللي رجعوا انه يحاسب في الجهه العسكريه؟ لا، على حسب المواد اللي يعني تبعتهم 283 77 78 283، القضاء العسكري 77، وهذه هي جرائم مش صغيره، هي جرائم خطيره، جرائم خطيره. يعني نقول لك هذو راهم متحاكمين شعبيين قبل ما يتحاكموا قضائيا. الخيانه العظمى ما هي العقوبه نتاعها؟ باسكو الشعب الجزائري راه يتساءل اليوم. من حيث القانون هو الاعدام، لكن في عهد زروال الامين زروال وقف الاعدام، دار مرسوم توقيف عمليه الاعدام، اذا الاعدام في الجزائر لحد الان لا يطبق، اما من حيث القانون الاعدام في هذه الجريمه. واش حبيت نقول؟ بهذه العداله الحاليه ماهوش ممكن باه نسيروا الحراك. لان الحراك راه مش نقول لك اقوى، راه افطن واذكى
من العدالة المتأخرة. صح. العدالة هذه مش في الوقت تاعها. والقضاة كما قلت لك فيما سابق قلنا احنا النحوم كاع، وانا معاكم النحوم كامل. الدولة لا تسقط يا أستاذ، يروحوا كاع العصابة، الإدارة تبقى موجودة وتسير حتى يعرف المواطن. الإدارة تبقى موجودة وتسير، كل أجهزة الدولة تسير، يعني حتى كل العصابة تسير، يعني ماهوش راح نوقعوا في فراغ. كاين المديرين والإداريين. ولا يمكن استغباء هذا الشعب. أكيد الشعب على دراية وعلى اطلاع، يعني يوميا الشباب هذا أذكى وأفطن ومنا جميعا. وفي الختام مادام قضي في الختام. نعم. كان لنا قضاة وأنا أعرفهم وجميع الزملاء يعرفونهم. جاءوا يحيى ووضع مجزرة القضاء 400 قاضي، وجاء بالعيز المجرم واللي سرق 20 مليار من بنك الخليفة في القليعة، وكل الجمهورية تم عزله وعزل 400 قاضي. جاء هذا الأخير وعزل 200 قاضي. القضاة الشرفاء النزهاء تم عزلهم، ما نقدروش نعملوا بهذا القضاء، وبالتالي يجب الذهاب كما قال زميلة إلى قضاء، إلى عدالة انتقالية وليست انتقامية. Amina Chaïb, justement, un dernier mot par rapport à tout ça. Et justement, Ibtikar, vous avez plein d'idées, plein de projets, d'initiatives. Comment voyez-vous justement le Hirak demain, le lendemain? Mais je voulais dire que ce qui est en train de se passer ne nous détourne pas en tant que déjà citoyenne impliquée dans le Hirak et en tant que membre du mouvement Ibtikar qui est impliqué dans le Hirak, ne nous détourne pas de notre objectif. Notre objectif, c'est une nouvelle république démocratique avec des institutions démocratiques, la séparation des pouvoirs, etc. Aussi, on est contre la vacance de l'État parce que les affaires courantes doivent continuer. On a la chose économique, on a des administrations qui doivent continuer. Mais pour autant, cela n'est pas incompatible avec la rupture totale avec le système. Donc on se rejoint tous sur ce plateau et le monsieur ouais. Messir qui est avec nous. Le Hirak, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas juste cette masse, cette foule qui se mobilise tous les vendredis, aussi dans la diaspora d'autres jours de la semaine, mais aussi les étudiants les mardis, etc. C'est aussi beaucoup d'initiatives citoyennes, politiques surtout, et politisées. Oui. Donc les feuilles de route, elles sont existantes très tôt, au bout de quelques semaines de mobilisation. Et il y a beaucoup eu des propositions, des collectifs. Beaucoup parmi elles prennent la constituante. Ces propositions parlent de constituantes, elles parlent de haute commission de la transition, elles parlent de gouvernement de transition, elles parlent de réforme. Toutes ces questions, elles sont ouvertes, elles ne sont pas tranchées. Aujourd'hui, le mouvement Ibtikar. Est-ce que vous avez pensé au mécanisme aussi? Est-ce qu'on peut entamer tout ça demain? Quand? En fait, on est déjà avancé dans non seulement de la réflexion, mais dans le travail, dans l'action. Mouvement Ibtikar fait partie du collectif de la société civile algérienne pour une transition démocratique et pacifique, qui en fait est un groupe de plus de 30 associations, collectifs, syndicats, différents organismes de la société civile. On travaille pour faire émerger une feuille de route. Déjà, il faut se mettre d'accord sur les dénominateurs communs, à minima, les conditions. Et il y a une autre question très importante aussi, parce que beaucoup, justement, à chaque fois qu'on parle d'initiative, soulève une problématique. Est-ce que ça se passe à Alger, à Paris ou à l'échelle nationale en Algérie? Parce qu'on voit beaucoup d'initiatives qui viennent d'Alger, Alger. Est-ce qu'à Skikda, on parle de ça? Est-ce qu'à Annaba, on parle de ça? Est-ce qu'à Ouargla, on parle de ça? Là, vous mettez le doigt sur un gros problème que nous avons, celui de la centralisation et de la centralité de toutes les luttes politiques qu'a pu connaître l'Algérie. Souvent, Alger a été le centre politique, alors qu'ailleurs, les maquis vont avoir un peu le poids militaire. Et ça se ressent malheureusement jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, au niveau du collectif, on est en train de résoudre ce problème-là. Une de nos priorités, c'est plus d'inclusion sur le territoire. Il faut absolument avoir des relais dans toutes les wilayas. On a un territoire de plus de 2 millions de kilomètres, des Algériens partout dans le monde aussi. Donc il faut aussi des passerelles avec cette diaspora qui est très importante, qui
qui sont des citoyens, enfin, revenons en droit, ils sont des citoyens à part entière, et ils ont leur, leur rôle à jouer aussi en Algérie. Et est-ce que ça se passe très bien, fluidement, tout se passe bien? Écoutez, quand on a plus de 30 entités, effectivement, il y a du débat, il y a de la discussion, mais ça se passe avec une volonté ferme, parce que nous avons déjà un objectif global commun. Celui de la rupture effective, celui d'une Algérie démocratique et un état de droit, et ça fédère tout le monde. Après, l'efficacité du travail, nous avons avancé assez rapidement et on est en train d'envisager avec toutes ces entités l'organisation d'une conférence nationale pour précisément décider de manière collégiale, qui aura lieu à Alger, de manière collégiale sur les mécanismes précis. On a abordé la question de la constituante, ça c'est une question ouverte. On prend des juristes, on discute avec des juristes, ils vont vous dire tout ce que ça prend beaucoup de temps, que c'est laborieux et ça pourrait être contre-productif de commencer avec la constituante. Pourquoi ne pas commencer déjà avec ces institutions de transition déjà Sauf que l'un n'exclut pas l'autre. Bien sûr, c'est juste une question de priorisation et de hiérarchisation. On est tous d'accord sur les voies à prendre, les mécanismes et les priorités dans l'agenda. C'est ça où aujourd'hui se situe dans les discussions. Et juste un dernier point, il y a aussi évidemment l'objectif de ce travail-là derrière, c'est de créer aussi une instance de médiation. Cette instance de médiation, c'est quoi en fait la condition qu'elle doit respecter? Est-ce qu'elle doit être représentative, légitime? Et aussi, quand elle va... Les deux pôles, ben, en fait, c'est aujourd'hui, c'est ceux qui se sont en fait accaparés le pouvoir. Donc aujourd'hui, il y a un État, même s'il est illégitime, même s'il est intérimaire, etc. Ouais. Notre objectif, quand même, c'est sans compromission aucune sur nos objectifs, aller quand même dans le dialogue, parce qu'il faudra imposer cette feuille de route une fois que tout le monde est mis d'accord dessus. Avec le pouvoir actuel. Oui, mais le peuple dit autre chose. Il dit, Saïd, là, il représente un peu... L'un n'empêche pas l'autre. En fait, quand on a non seulement le Hirak qui rassemble quasiment tous les Algériens, quand on a une feuille de route qui est actée noir sur blanc, formalisée, là, on a une offre politique qui a en plus la légitimité populaire, là, ce ne sera plus à Gaïd Saleh de nous dicter les règles du jeu, de nous dire « je démissionne cette personne et je mets cette personne, j'arrête cette personne et je décide de ceci ». Ce sera la voix populaire qui sera traduite en une proposition très claire. Excusez-moi, ce n'est même pas une proposition. C'est réclamer son droit, c'est mettre noir sur blanc, sur papier, ses conditions. Et là, on ne pourra plus nous parler d'élections présidentielles, etc. J'entends très bien ce que vous dites, mais je ne sais pas la réponse. Oui. Tendez, Barak. Quel est le dossier ou un dossier? Il y a un dossier qui fait des articles. Il y a un dossier qui peut le faire place. Oui, bien sûr. Mais il ne faut هذا هو السؤال هذا السؤال لو كان نعود الدستور هذا الشيء ياخذ وقت ولا لو كان نغيره نبدله أشياء في الدستور الدستوري ستين بلاتفورم فنخدمه بنبدأ مرحلة انتخالية ستين نديروها ونجزوها وتشوفوها بس حكين بزاف حكين أصوات في الحراك تقول لك لازم لنا دستور جديد حتى هذه ما نبدأوش بها Nous déjà nous c'est ça. En même temps, on se concerte par rapport à la constitution, par exemple. C'est qui l'assemblée? Déjà, il faut avoir cette assemblée constituante. Il faut se mettre d'accord dessus. Ce qui prend le temps, c'est pas seulement le processus constituant, c'est la phase en amont de mettre en place le mécanisme. Oui, il y a du boulot aussi là-dessus. هذا راح يروح بانتهاء مدته كي شغل العداله الانتقاليه ما تبقاش طول يعني العداله تبقى موجوده مينيموم دارتيكل يعني باش تمسبهم بالبلاد فوالا بابليس دو 10 وديروا الدول الاخرين سعيد اسكو فوز داكور ديجا بارابور ا Vous savez, d'abord moi je ne représente rien, je représente moi-même, je suis très loin de prétendre représenter le Hirak ou quoi que ce soit, ce n'est pas non plus mon objectif. Le Hirak se suffit à lui-même. La deuxième des choses, j'ai lu leur l'initiative et l'appel à la médiation. Je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est fait par Ibtikar, par Raj, par un certain nombre d'associations de société civile est merveilleux dans le sens de créer des espaces de débat. Et ce qui est bien,
moi je travaille avec eux, c'est qu'ils sont ouverts au débat, ils ne sont pas dans des optiques dogmatiques ou idéologiques, ils sont pour le bien du pays et du peuple algérien. Maintenant, quant aux mécanismes, les mécanismes, avant d'arriver aux mécanismes qui parfois peuvent constituer des pièges et peuvent en effet avorter des initiatives, on doit y aller d'abord vers la création de pôles de convergence. Comme il y a ce pôle de société civile, elle l'appelle, il faut y aller vers d'autres pôles avant d'en arriver à un consensus global. Il y a plusieurs initiatives. Et ces initiatives-là, bien sûr, effectivement, on parle de dialogue. On ne parle pas de dialogue quand on parle de pouvoir, on ne parle pas de Bdoui. Que ça soit clair, on ne parle pas de Ben Salah, ça c'est clair. Aujourd'hui, il y a deux pôles, il y a la société, il y a le commandement, il y a l'institution militaire. Que l'institution militaire, bien que votre précision tout à l'heure, elle est à saluer, parce que le pouvoir, il essaye de nous faire peur en disant « mais si on part, ça va être la dislocation de l'État ». Dans cet État, il y a des hommes et des femmes, des cadres, des hauts cadres, c'est grâce à eux que ça tient, et ce n'est pas grâce à ces ministres. Et je fais offense au mot « ministre » parce qu'ils ne le méritent pas. Ils n'ont jamais été ministres parce qu'un ministre, c'est celui qui arbitre, c'est celui qui travaille, c'est celui qui ne dort pas, c'est celui qui sert le peuple et non pas qui se sert lui-même. Dans cette perspective de construction, quand les pôles seront réunis, il va y avoir l'émergence de cette base de travail dans la justice transitionnelle qui n'est pas en soi. On peut reprendre, y compris des articles des constitutions de 96, mais là, on est déjà... ce qu'ont fait toutes ces associations et ce que fait le peuple, renouer la parole, Saïd. Renouer la parole, arracher l'espace public, ça c'est déjà énorme. Saïd, et je suis obligé de vous interrompre parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Par contre, je vous donnerai quand même la parole pour un dernier mot. Demain c'est Ramadan, on est à la veille du mois de Ramadan. Exactement, je voulais en parler de ça. On va en revenir. Mais le hirak fait Ramadan, qui fait le hirak fait Ramadan, ya khouya, ana ma nsomch bjeljilia. انا نصوم بطني ونصوم بمخي انا ندير حراك كما قال الشعب الجزائري رمضان وما ماشي رمضان حراك يكمل واغتنم هذه الفرصه pour souhaiter un ramadan de paix de fraternité de sérénité mais aussi je lance un appel aux commerçants le commerçant de gros et le commerçant de détail. شهر رمضان هو شهر الغفران هو شهر المحبة هو شهر الأخوة هذا أولا ما تطلعوش لي بري نوغمونتي با لي بري vous allez pas devenir riche en un seul mois ça je vous le dis ça c'est simple et la deuxième des choses كاين مناورة نتاع النظام اللي يحبوا يخلقوا المناوشات ويحبوا يخلقوا الاستفزاز ويحبوا دي بروبليم entre le peuple algérien entre les jeuneurs et les non jeuneurs et à chaque année on voit ça. Oui. Chaque année, on voit ça. Cette fois-ci, le pacte de Silmia, ça veut dire quoi ? Les habits sont un ensemble. Mais je ne peux pas imposer à personne les sommes ou les maïsommes. Et les maïsommes, qu'ils arrêtent aussi leurs provocations. Les sommes, les sommes, les maïsommes, les sommes. Et des hassanat ou les maïsommes. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Le mouhim Fisouj, il est allé à l'Hirak. Il est allé à l'Hirak. Ramadan Karim. وحاب نقول باللي الحراك مش حيتوقف في رمضان كامل جي اونتوندو تو موند اوتور دو موا يقول لك باللي راح نديروا خيمه رايحين نتلاقاو مورا الفطور حتى وي كاين حتى ديجا في الايامات الجايه فطور جماعي في الفضاء العمومي دونك اون فافير ثاني اللي يحب خيمه هاي كاينه خيمه تاع الحراك اللي يحب فطور كاين فطور في الحراك مانيش رايحين نحبسوا اي اوسي ça va prendre aussi de nouvelles formes. Et ça, il faut insister. Le Hirak aussi, c'est des espaces de débat, c'est des ateliers de formation. Donc, nous allons continuer. Inch'Allah, Ramadan Moubarak alayna kamel. Merci. Kalima akhira, Oustad Ramadan. Akhira, Ramadan Moubarak li jami' al-sha'b al-jazairi. On t'emmena fi sidina Ramadan t'kon omour jdida t'farrah sha'b al-jazairi. Inch'Allah, ya Rabbi. Shukran, ya'atikoum saha. Merci à M. Foudil al-Aish. Merci à Amina Chayed. Merci à Saïd Aknin. Merci à Burhan Misir. Et nous, on va continuer donc avec le standard, vos appels. Marahba bikoum. Une petite pause et on continue. تحيا الجزائر حرة بالشعب الجبار يا سيدي.
شامخ الصدر علمه مربوطه في الظهر في يده شعار المسيره ما هي مقطره عنا حراره سيدي احنا حراره سيدي احنا حراره الرايه البيضاء بالخضر نجمه وهلال بالحمر حتى الانتصار العصابه تضحى خسره خرجوا من الدار سيدي خرجوا من الدار سيدي خرجوا من الدار يوم الجمعه في البرد والمطر وهو شي على مد البصر من كل الاعمار شرطه خاوتنا الحضره والباطل ما عليه نور الباطل ما عليه نور يا العاملين فينا زكارة لا حليد يذكر لا حليد يذكر الدنيا راهي دوارة اليوم. مرحبا بكم إذا مجددا في هذه الحصة لا مارش دان بوبل اي لا بلاد دي جينيرو مسيرة الشعب مسيرة أمة يعني الأمة الجزائرية واستراحة جنرالات شفتوهم كيفاش يدوروا في الحديقة نتاعهم استحمام واستجمام. محمد سعيد سي تيزي وزواز الفلاح مرحبا بك. أزول لك الحسين. أزول لك مع السلامة. أزول. هذاك ناوض هذاك ناوض غزايوم. إيه. فميش مكشيول. أزول السلامة. أزول طبعا. يا باز. الحمد لله. بغيت اكسوك سو لو فيغ دو بوين كان سي دو بوين جيرو ماركي ايه ك قايد صالح وجست ميساج قايد صالح هذا سينيور بركان وتمسخير على في لانو باسكو اتاوي راسكي يوان سيت شوفور اتاوي وي راهي حمدو يحيى قايد راسكي والخيزة سنينوس. إيه. ولا. on parle plus que il faut qu'on fasse la sourde oreille mais c'est vrai qu'il y a une merde de mise en scène il y a une connette et une hauka et une hauka c'est tout et qui canine c'est une connette mais Rouhan il va y avoir une transition démocratique à tour à la justice libre vina صحيت محمد سعيد يعطيك الصحة ثنميرت محمد سعيد قال لكم يتنحاو كاع يعني تنحاو كاع صادق من انجلترا صادق مرحبا بك السلام عليكم خويا وعليكم السلام ورحمة الله تفضل واش راكو صافا لاباس ولا عليك خويا الحمد لله جو بارل دونجلتير نعم جو بارل دونجلتير اه مرحبا بك الحمد لله صديق باش نبدل رايي على ما يجري في الجزائر صديق الحراك هذايا كاينه حاجه صديق السيد القايد صالح راهي يعني صالح سيد لا بودغ اوزيو فهمتني نعم سيد لا بودغ اوزيو باسكو حنا الحراك واش يهمنا يهمنا ما يهمناش شكون يتحكم باسكو المحاسبه سهله من بعد يهمنا نديرو رئيس جمهوريه نديرو رئيس نديرو دستور نديرو برومي مينيست نديرو دي مينيستر نديرو ديواني نديرو ديك حتى الحق لو مير كنت فهمتني خويا نعم صدق لو بروبليم سي با سعيد ولا علام ولا توفيق ولا هذوك هذيك الخدمه هذيك هي السهله كاع لو بروبليم سي كوا سي كو الشعب يختار
شكون يحب يريبريزونتيه من رئيس البلدية حتى رئيس الجمهورية الفوق. لا لا لا. نعم. باسكو أنا خدمت كعسكري 3 سنين وخدمت كمدني وخدمت افيك لو كونسولا دونجلتير هنا وراني. هايدا. نعم. إيبا باش نقول لك شغل اون انيكدوت حاجة تبكي وتضحك في ميم طون. إيماجين توا. شكرا صادق من انجلترا يعطيك الصحة. عبد الملك من الجزائر. عبد الملك انقطع عبد الملك فقدناه. محمد من جيجل. خويا محمد مرحبا بك. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل خويا محمد. لك الفضل والشكر. تعرف كيفاش انا عندي واحد الفكرة نطرحها عليك وبلغها للشعب الجزائري. نعم. نطلب من الشعب الجزائري خاصة سكان المدن الكبرى. نعم. المدن الكبرى نطلب منهم يخرجوا في الليل خاصة في أيام رمضان. نعم. يخرجوا الفطور للناس اللي في الحراك ويتظاهروا سلميا قدام كل واحد قدام العمارة ديالو. نعم. والاستمرارية بالسلم. نعم. شكرا. وإن شاء الله يوفقهم إن شاء الله وربي يعيش الحراك. آمين. الله يبارك فيك يعطيك صحة محمد. مرزوق سيتي زيوزو. مرزوق الزول في الله يحفظك يا جماعة. الزول في الهوان. السلام عليكم. الزول. حبيت برك نقول حاجة على واش راه يصرى في البلاد هاد اليومات. المسرحية هذه اللي رانا نشوفوا فيها أنا في رأيي هي مجرد مسرحية أو مجرد تصفية حسابات وصراع أطراف النظام، وهذا الأمر لا يعنينا أبدا. إن صح ما يدعون فإن من سماهم القايد صالح بالعصابة حاولوا الإطاحة به في سنة 2015، وهو الآن ينتهز فرصة الحراك ليتقوى بالشعب ويتخذه ذرعا يتحصن به لرد الاعتبار لمكانته. نعم. مرزوق. مرزوق يهزم فقدناه. نروح للمستغانم معنا العربي. خويا العربي مرحبا بك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام. ما ماشي بشاريين لا؟ نعم. ماشي بشاريين؟ راك مع راك في المغاربية أخويا. هو المغاربية اسكون ديريكت ولا؟ لا إيه نعم راك مباشر إيه. نعم. نعم راك على المباشر. أنا مباشر دروك هكذا مباشر ماشي أونتران جو مفوا با دو لا تيليفزيون جو مفوا با. يا خويا العربي خويا العربي ما تشوفش في التلفاز وما تسمعنيش من التلفزيون يعيشك سمعني برك من التليفون كاين بتي ديكالاج سي نورمال. كيفاش؟ ما تسمعش من التلفزيون سمع لي من الهاتف. ونهضر معك العربي. يا جماعة أنا نقول لكم كل يوم يعني ما شاء الله عليكم يعطيكم الصحة كي تسمعونا من التليفون كاين ديكالاج سي نورمال بعض يعني ثواني سمعونا من الهاتف برك باش نتفهموا أنا وياكم يعني احنا وياكم. ورقلة معنا عبد القادر. عبد القادر السلام عليكم عم الحسين. مرحبا بك خويا عبد القادر. نعم نظرك عم الحسين. اهلا عم الحسين. انا هذوك من امس تابعهم هذوك سعد بوتليقه وفوتهم والعداله وكل شيء. انا طوكو ما يديروا مسلمين قدامي والعالم يشوف من امس تابعهم راهم يسكتوا في الناس يوتو هذا قايد بايع هذا ما سميش قايد صالح سميش قايد بايع. انا كاع من امس بهم يبلعني باش يسكتوا الشعب الجزائري وعندي نداء للشعب الجزائري نقول لهم حطوا وعكم في الامات بيغلوا لكم الاسعار بيخلوكم بما ديروش ما في الامات تحليل دعم كاش مخلينا كل واحد يعطوا اشترى تحليل كاين والله لكان 100 واحد واقف على باش اشترى تحليل يقول الشعب الجزائري حطوا وعكم في هذه الامات واتكلوا على ربي والحماده اللي جاب لكم كونجيري تاع البزري حطوا وعكم ما تاكلوش لا ندير لكم في واحد الماده غير كل انسان. وثانيا نطلب الشعب الجزائري واحد وكان جابر من ولاد بوليس اللي فتره نعرفوا باللي ما وصلتش تركوا الفتره هذو تاع الحراك
الجدرمية ولا بوليس ما يتوقف الشعب الجزائري واللي فكر الجدرمية ولا بوليس في رمضان نقول ما عندك حتى رمضان واطلب الشعب الجزائري إن شاء الله تصوم بالصحة والسر ونقول إما ما تدخلوش روحكم في السياسة قبضوا الدين تاعكم وصحة رمضان رجع من الحوثيين. يعطيك الصحة عبد القادر. وقيلا كاين اتصال؟ لا آخر اتصال آخر اتصال إذن كان مع عبد القادر من ورقلة. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحصة وخير ختامها المسك رمضان راكم تشوفوها من دور غدوة إن شاء الله. إذن شهر رمضان شهر الرحمة شهر المغفرة والغفران. نتمنى لكم أكل كاع لكل شعب الجزائري لكل شعب لكل المسلمين في العالم أينما كانوا اللي رايحين يصوموا بيان سور اللي ما رايحينش يصوموا أيضا إن شاء الله نكون نقول لهم رمضان سعيد شهر سعيد شهر هنيء إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم ومن كاع اللي يصوموا واللي ما يصوموش أيضا بصحتهم كل واحد واحد مريض واحد ما يقدرش واحد المهم صحة رمضانكم تقبل الله منا ومنكم قيمة ذي لهنا صحة سحوركم وصحة فطوركم الغدوة إن شاء الله.